Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel donc avec les Derwent Intense. Donc je vais réaliser avec vous un ciel un peu dans les teintes magiques, féeriques, voilà. Donc là c'est le dernier livre de Clara Markova. Alors vous allez avoir besoin donc de crayons aquarellables ainsi que soit de la gouache ou de la peinture acrylique pour réaliser l'effet nuage. Donc c'est parti, on y va, on se retrouve tout de suite sur mes mains. Donc pour les crayons je vais utiliser la teinte 200, 230, 300, 700 et 760. Je vous laisserai tous les numéros en barre d'infos. Ensuite je vais utiliser de la gouache PBO pour l'effet nuageux. C'est un Posca, mais là c'est la marque Artistro, donc c'est de la peinture acrylique pour faire l'effet luciole, et un petit pinceau réservoir d'eau. Donc c'est parti, on y va. Alors j'ai choisi donc le Romantic Country pour vous faire la démo, et on va faire ce ciel ensemble. C'est parti. Alors je commence déjà par appliquer la couleur la plus claire, donc la 200. Donc j'applique vraiment grossièrement, mais de façon verticale. Ensuite, je viens prendre la teinte 230. Alors vous voyez, j'ai un peu mélangé les couleurs. Vous pouvez repasser sur les nuages, il n'y a pas de souci parce qu'après on va les camoufler avec de la peinture acrylique. Je viens prendre le orange, donc 300. Donc pareil, je repasse un peu dans la couleur, donc le orange plus clair que je viens juste de poser. Comme ça, ça nous fera un joli dégradé. On va en mettre un peu ici aussi. Ensuite, je viens prendre la teinte fuchsia, donc 700. Même principe, je repasse un petit peu dans mon orange. Donc après, vous pouvez faire la même chose avec des néocolores. Hein. C'est exactement le même procédé. Et enfin, je vais prendre la teinte la plus foncée, le violet 760. Voilà, et ensuite on va aquareller. C'est parti. Alors j'ai placé une feuille derrière mon dessin pour pas faire trop de dégâts. J'ai mon petit chiffon, je nettoie bien la mine de mon pinceau. Je vérifie mon débit d'eau. Donc c'est parti, on y va. Donc toujours verticalement. Je viens mélanger les couleurs les unes aux autres. Donc vous pouvez passer dans les nuages, il n'y a pas de souci. On viendra les travailler par la suite. Donc j'y vais étape par étape, donc du plus clair au plus foncé.
Alors maintenant, si vous voulez plus d'intensité sur votre fond, votre ciel, donc n'hésitez pas à directement prendre la couleur sur la pointe de votre lamine de votre crayon. Vous allez voir, ça change tout. Donc là, le fait qu'il y a des marques, c'est pas grave, au contraire, c'est un ciel, donc ça va lui donner un côté plus naturel. Je vais descendre peut-être un peu de rose, de fuchsia. Ici. Et je vais prendre du violet. Et je vais créer en fait peut-être comme des nuages, un peu plus foncés. Alors maintenant, je vais venir reprendre un peu de fuchsia ici parce que je trouve que c'est fade. Et après, on va passer avec donc la peinture acrylique. Donc pour la peinture, soit vous prenez de la peinture acrylique blanche ou de la gouache. Moi là, j'ai de la gouache donc PBO. Donc j'ai pris un pinceau Action. Alors, je vais venir en fait camoufler déjà les nuages existants. Je vais reprendre mon pinceau. Alors pour les nuages, en fait, en bas, il va falloir qu'ils soient plus clairs, plus floconneux, on va dire, hein, et au-dessus, plus foncés. Du coup, je préfère travailler avec mon pinceau réservoir d'eau. C'est vraiment plus facile. Donc voilà, vous faites pareil sur tous les nuages. Alors maintenant, nous allons faire l'effet luciole. Donc je prends mon crayon peinture acrylique Artistro. Donc si vous avez un Posca blanc, c'est aussi bien. Donc en fait, je viens faire tout simplement un point. Je prends mon coton-tige. Hop, je fais un cercle. Et je viens faire un petit point au milieu. Donc je recommence ici. Je mets un point de peinture. J'estompe. Et je viens intensifier avec un point au milieu. Hop. Donc voilà. Je vous montre ce que ça donne un peu de plus près. Donc voilà, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à la commenter. Ça me fera super plaisir de vous lire. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!